Eh bien, le bonjour à tous. On se retrouve pour ce Call of Duty du dimanche, bien évidemment. Dans une ambiance effrénée, des matchs de qualité. Qu'est-ce que c'est ça? Call of Duty League. Ah ouais, ouais ils m'ont contacté, ils m'ont dit participe pas s'il te plaît aux compétitions Call of Duty parce que ça déprime les autres joueurs. Ils ont plus envie après parce qu'ils voient le niveau. Ce que je peux comprendre, hein, bien évidemment, donc je leur ai dit je me retire du circuit compétitif. Voilà. Ok, on se retrouve avec notre ami Daniel. Daniel, d'origine asiatique, semblerait-il. Qui va peut-être aller faire du kill de qualité. Avec son arme panthère. On y croit. L'important, c'est d'y croire, comme l'a dit Patrick Fury, je crois. Dominations? Ok. It's time to go to some people. Ça va totalement chier. Toi, non. Toi. Viens dans mon clan. Oh putain, il a l'air sympa le chauve à côté. Lui, qu'est-ce qu'il regarde avec son oignon sur la tête? Oui, sur Shipment en plus, bien sûr. Que fait-on? Est-ce qu'on prend Oh. Ouais. Ninja. Domination. Parez-vous des objectifs. Battez-vous comme jamais. Battez-vous comme Jaja, ils ont dit. Merde. Ok, faut que je reprenne Ninja. 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 Nin. Merde. Ouais, faut que j'arrête les exécutions là-dedans. Merde. Ah mais lui Man, c'est pas super sympa ce que tu fais, man. Il était pas du tout là, mais c'est pas grave. Le ninja! Ah, mais toi là, dis donc. Alors, Snoop Dogg? Hack. 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 Crac, crac. Hack. C'est la partie du ninja là. Cours man, cours, cours. Merde. J'ai paniqué. Je suis à un crack du lance-flamme. Crack. Ah merde, ah merde. Je suis tellement déçu, bordel. Voilà. Wow. Je m'en branle, ça c'est la map. Quoi qu'il arrive, ça c'est la map du ninja. Bon, je vais être par là. Allez, Fafti. T'es si bien parti, bordel. Là-haut.
Je savais qu'ils allaient être par là, mais... C'est chaud en vrai parce qu'ils arrivent de partout, tu sais pas trop où aller avec ta petite ma petite machette tahitienne là. J'ai bloqué leur spawn ici. J'aime bien me donner de l'importance. Voilà, on leur fout le feu. Moi je m'en bats les couilles, y'a quoi maintenant? Une petite partie d'échauffement comme ça. Un grand coup de couteau dans la gueule. Ah putain. Ah ça voulait pas passer là, hein. Je regarde de tous les côtés sauf du bon. Ici toi. Et merde. Et lui il est qu'est-ce qu'il fout là lui? Putain, je croyais que complètement au courant, je croyais que c'était la kill cam, bordel. La kill cam. Brûle! Sale bâtard. Wow. Oh putain, ah oui. D'accord, c'est ça qu'il voulait dire par ils ont un lance-flamme. Oh putain de merde. Mais merde, Fafti, voyons, allez cours. Et merde. Ouais mais eux ils campent quoi.
en quelque sorte. Putain, mais merde, peuple. On peut revenir, non. Bon. Pas comme ça, Zinedine. Bah non, non, non. C'est évident. Ah non, un chien lui, par contre. Y'a aucun souci, on va y aller avec une arme. A priori les gens veulent jouer avec des armes dans Call of Duty. J'essaye toutes les armes, je mange à tous les râteliers carrément. Ah oui, non mais d'accord. Excusez-moi, 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 arrêtez de me bizuter s'il vous plaît. J'arrive, je meurs quoi. Ok, 41 éliminations, 86, 138 éliminations, d'accord, mais ça c'est les mecs qui n'ont pas bougé de la partie vu qu'ils ont fait 3 captures. 10 captures, 6 défenses, quand même ça va, j'ai bougé. Ce qu'il faut se dire. Et dans tous les cas, je pense que je vais avoir le plus d'éliminations au corps à corps, bien évidemment. Pouf. Voilà, le méduse, juste ici. Ah même 10 captures, c'est ça qui me... qui me différencie. Ok, c'est reparti. Sur une map un peu plus grande si possible. Je demande, hein, vraiment. Il faut que j'aille vérifier un truc aussi. Et me revoilà juste à temps, semblerait-il. Lui, il est niveau 3. Vas-y, on va tenter ça. Pourquoi pas.
va être hyper chaud. Avec un autre viseur peut-être à la rigueur, mais viseur comme ça j'avoue. Ouais. J'avoue, je suis pas fan parce que je suis pas bon, tout simplement. Là, j'aurais pu tirer 18 fois par exemple, mais... Semblerait-il que j'ai paniqué. Bah oui, bien sûr, ok, changeons ça. On va repartir avec notre petit canon de la victoire. Il fait plaisir toujours, en toute situation. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Merde. Logique, j'étais chez eux. Logique, logique. Ça, c'est le sang de la veine. Oh putain, mais ouais, ils doivent être en haut. Ouais. J'allais me percher quand même. Si j'y arrive. Colis allié en approche. Les gars. Qu'il l'a shooté, putain, je vois personne, enculé. Raid aérien en approche. Frappe aérienne alliée. C'est le bon moment pour embarrasser mon pied. Attention. Eh merde. Logique, 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 Fafty. Mais bon, on a le mortier hyper bien placé. Là. On va essayer d'aller chez eux. Je pose un coach chiffré. Ok, c'est chez nous maintenant. Ah oui, là, quelqu'un vient par ici. C'est le sang. Putain, les bruits de pas par contre, j'avoue je panique. Hein. Oh putain. Voilà.
Bonjour monsieur. Sur les toits, bien évidemment, comme des petites raclures. Attention à vous, il va y avoir du moitié. Je suis avec le poteau. Crac, qu'est-ce qu'il veut lui? Sont-ils? Ils sont pas loin de moi là, il semblerait. Des fois je panique dans des angles, je vois des chaises, j'ai l'impression que c'est des gonzes. C'est pas facile. Hein. Est-ce que c'est moi? Voilà. Allez, putain, c'est beau ça. J'aurais aimé le brûler. Qui c'est qui met avec la taxe comme ça au passage sans pression? Qu'est-ce que je suis nul. Heureusement qu'il est plus nul que moi, mais... Allez, premier de l'équipe, 17-6, ça reste honnête ma foi. Oh putain, home run. Ah ouais, super. On était avec un pote Quechua, comme on aime les appeler. Un bon campeur de tous ses os. Crac. Ouais, facile. Meilleur ratio, 2,83. Et là on a tous voté pour nous et maintenant c'est les autres qui vont voter du coup. Ou alors égalité. Allez, c'est la méduse. Tactique 6 contre 6. Ça y est, il passe niveau 20. Voilà. Donc là maintenant je peux aller dans opérateur. Allez voir ce bon vieux Danny. Personnalisé. Et on va lui mettre bien évidemment sa couverture végétale. Non, c'est pas du tout ça que j'ai débloqué. Ça que j'ai débloqué. Voilà. Les couvertures végétales c'est mieux quand même. Non, il va garder sa couverture végétale. Et du coup vu qu'il est niveau 20 maintenant on va jouer avec Francis. Wow, Francis c'était niveau 1. Vas-y Francis, c'est parti. Là le Francis il aime bien la carabine Cooper. Voilà, c'est la formation que je vous donne. Vous faites ce que vous voulez. Oh et on est sur l'USCS Texas 1945. Yeah man. Est-ce que j'ai une carabine coupée quelque part? Non. Vas-y. Allez Francis, c'est parti. Francis, si je dis pas de bêtises, c'est le petit frère de Francette. J'ai vu un truc bouger là-haut, j'ai paniqué.
Puis je me mets là, à tout moment il y en a qui passent et je fais ratatata. Un peu une technique furtive, dirais-je. Ok, alors cette technique furtive n'est absolument pas efficace, semblerait-il. À couvert, grenade pareille. Ok. Ok, allez Fafti, c'est parti, tu cours. Eh merde. Allez Fafti, c'est parti. Ou devrais-je t'appeler Francis? Francity. Qui c'est qui tue tous mes copains là? Ah mais ok, il y en a, ils sont au bout et ils font que ça. Ok. Bon bah je vais passer par l'intérieur. Peut-être qu'ils seront plus sympas avec moi. Je sais même pas trop les campeurs, je dois le reconnaître. Et là, bon, mais je suis mal tombé. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pas tout avoir, hein. Attention, bombe collante. Attends, sale bâtard là. Mais je le touche pas quoi. C'est honteux. Ouais, moi les gars j'étais là, j'ai éclaté les campeurs, normalement ça devrait être bon, on peut recourir en paix. Et se battre contre des gens qui courent je pense. Voilà. Des gens qui bougent, du mouvement comme on dit. Alors je suis moins bon sur les gens qui bougent que sur les gens immobiles, mais c'est quand même plus rigolo. Non. C'était pas le master move. Allez. Bien dit mon cousin que je t'attendais. Viens-y avec toute. Wow, 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 wow. On court pas dans le sous-marin, enculé! Le meilleur move de ma partie, je pense. Une auto-lacrymo. Mais ça shoot sec là dans le coin les poteaux, non? Là-bas. Ah non mais là il semblerait que c'est une guerre de position cette partie, hein. C'est pas vraiment un match à mort par équipe, c'est un... un point stratégique. Moi je me fais complètement laver la rondelle par ce monsieur qui campe là à chaque fois. Ah mais c'est la famille lui, ok.
Il a fait peur, il tirait sur le chien du pote cet abruti. Attention à la clémo. Bonjour, excusez-moi, je suis... Je crois que j'ai dérangé un peu. Oh putain, mais calmez-vous, bordel. Ça me colle, ça me tue, ça me... Ah oui! Moi je suis l'assistant, on m'appelle en fait. Assistance sur assistance. Ah merde, putain, ils étaient deux, j'aurais dû continuer à... Quand je vais croiser, il va me m'allumer la race carrément. Oh, ça va arriver de par là en principe. Oh putain, la grenade. Crac. Merde. Voilà. Mariole, ça s'appelle Mariole avec sa double élimination. Si j'arrive à arriver sans qu'il sache que je suis là, je vais peut-être me caler à l'élancé. Voilà, campeur de tes os, je vais prendre ta place un peu. Bah, c'est pas hyper intéressant de faire ça au final. Faut pas se mentir. Je suis pas... Je suis pas le plus grand fan, quoi. Pourquoi pas, de temps en temps, mais lui il était là depuis le début de la partie, quoi. Et ouais mon gars, t'as voulu faire le mariage avec moi, tu nous as défoncé depuis le début de la partie, je peux t'assurer que là tu vas plus jamais revenir camper là. J'en fais une affaire personnelle carrément. Attention, toi tu vas mourir je pense. Ah non. Ils ont compris, ils veulent plus revenir là. Bah, je passe, hein. Ma foi. Allez, c'est bon, on a réussi à arrêter un point de camping. On peut être fiers de nous, messieurs. Bon, c'était tout ce que je voulais. Hein. Ils sont de quel côté les méchants les gars? Là. Merde, c'est pas ça que je vais faire. On va tenter de les contourner grâce au mortier. Merde, bien vu. De merde. Bon, et eh bien un petit 25-15, c'est fort honnête aussi ça. Ma foi. On reste dans du positif de qualité. Marisa Louise, elle a fait l'action de la partie. Cré. Cré. Et cré. Ah ouais. Bien joué Marisa Louise. Toi tu y es le centre.
évidemment, notre objectif c'est l'égalité. Ok, c'est reparti. Totalement, complètement fou. Ouais, oui. On passe sur un niveau 54 du Prestige 6. Putain, c'est vraiment magnifique. Ça va à une vitesse. Francis, on va te faire monter de niveau, t'inquiète. Il faudrait que je me fasse une classe avec la carabine Cooper. Non. Bon, enfin, je te garde. Qu'est-ce que c'est la carabine Cooper? C'est une mitraillette? Non, c'est un fusil d'assaut. Carabine Cooper. Voilà! On va partir avec les moissonnaires. Juste ça. Déflecteur monoculaire. Éclair ardoise. Ah, et niveau 18, ok, donc je pars avec ça quoi. Même sans viseur, hein, c'est bien. Vas-y, hein, va falloir qu'on fasse monter ça de toute façon, le petit moissonnaire. Hein. Ah putain, sur Das, oh, c'est cadeau. Allez, Francisco, là on t'a pris ton arme préférée. Montre-nous que c'était la meilleure des. Décision, c'est le terme. Ok, ça part. Wow, bah oui. Ouais, au début ça va être chaud sans visière. Hein. Par contre elle est sympa comme tout cette arme, j'aime beaucoup l'allure qu'elle a, dirais-je. D'accord, d'accord. Oui mais parce que là c'est un truc de tenir la zone, mais moi je tiens absolument pas la zone là depuis tout à l'heure. Wow. Alors bonjour déjà. Allez, on garde la zone les gars. Attention, il y a une grenade je crois par terre, non. Ah non. Elle n'a pas compté. Merde. Ok, mais ils nous attendent. Ok. Il y en a forcément, c'est sûr. Oula, ouais. Il y a un mortier, je vais dedans en même temps, c'est peut-être pas la meilleure des...
On est en train de se faire laver la rondelle, les gars. Wow. Bah oui, ils sont chez nous, ces petits chacos. Allez les gars, on récupère la zone. Ouais, c'était pas un de chez nous ça, c'est ce que je veux dire. C'est pas grave, c'est que le début, j'ai aucun équipement. Oh merde! Allez, allez! Je veux dire qu'après ça ne pourrait être que mieux. Ce chien là. J'aurais aidé à défendre moi. Voilà, à travers la fumée, y'a quoi? Wow, ça avait l'air génial cette arme. Pour arriver. Fallait bien qu'il y en a pas les gars. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta vieille arme, pote? Ouais, on remonte petit à petit hein. Alors c'est pas flagrant non plus mais... Wow. Sors de là. Putain. Je crois que c'est Lion Hunter qui peut passer devant moi, s'il te plaît. Eh merde.
Et merde. Ok, vas-y, je vais tout donner pour la fin là. On remonte carrément bien. Et merde. Dommage, hein. Fait 36 et 69 de temps de défense. Ouais, ça reste honnête. Tueur squelettique. Voilà. L'égalité toujours, toujours, Fafti l'arbitre dirais-je, Fafti le juste. Bah, il va monter gavé de niveau là, en tous les cas, quoi qu'il arrive. Et donc on a dit jeton, maintenant que je sais où c'est. Jeton double XP, quelle heure il est? Allez, pendant une heure. Allez, c'est parti pour une heure. Comme ça on finit ce jeton d'XP et ce sera la fin de la session, putain. On va faire monter cette petite arme de qualité. Arme, attirail, on a dit la Caravan Coopers. J'aimerais lui là. Sauf que j'ai pas lui. Là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Précision. Contrôle du recul. Ici. Visée accélérée, je m'en bats les couilles. Là, j'ai rien. Dégâts au véhicule et série d'élimination. Je m'en branle. Non, vas-y, je vais garder ça. Allez. Compétence. Poignée ferme. Rapidité et rechargement à vide, ouais. Ouais. Poignée en tissu. Non, moi je veux de la précision, moi. Moi c'est ça, on est là pour ça. Un cartouche. C'est quoi ça? Moins 5 en contrôle du recul et précision. Mais jamais de la vie, frère. Je suis le mec le moins précis du monde, ils veulent m'enlever de la précision carrément. Bien sûr que non, on ne va pas faire ça. Voyons. Allez. Ah, c'est totalement parti. Ah. Donc on a dit le moissonneur de tous ces ou. La vue, oui, le toucher, l'odorat et l'arme. Donc l'arme c'est un de mes sens, ok. Et vive-moi le niveau 18, je te le dis qu'on est à viseur. Attention, ça va péter. Aïe. C'était pas le meilleur lancer que j'ai fait ça. Semblerait-il. Bon mais là on est chez eux, non? Il y a quelqu'un qui tire là.
Merde, je voulais l'exécuter, putain, de tous les jours. Il semblerait qu'il m'a vu, Kylian Mbappé. Kylian Mdrappé, ce chien. On est plus en tête. Putain. Reprenez-vous. On est pas beaucoup, quoi, sur cette map. Oh, chacal. Je vais récupérer les bannières. Hein. Oh putain, j'ai failli me... Allez, Fafti. Combien on est? Ah ouais, d'accord. Ok, donc c'est pour ça qu'ils vont tenter de camper. Après, petite partie, petit score pour gagner, je pense. Donc ça peut aller vite. Encore une élimination confirmée. Beau boulot, celui-là. Est-ce que c'était un campeur ou est-ce que... Non, ok, ça va. Récupérer les plaques les gars, récupérer les plaques, putain. C'est les pouets, enculé. Si vous voulez qu'on gagne les gars, il faut récupérer les plaques, putain. Quand tu joues au Monopoly, tu achètes les maisons, non? Bon, mais voilà, mais là c'est pareil. Parce que c'est pas du Monopoly. Ouais d'accord, donc on peut le casser qu'à la seule force de son corps, t'es. Bonjour. Putain, mais ils ont un problème avec le ramassage. Hein. Putain, vraiment, le tri sélectif, les plaques, tout ça. Crac. Oh putain, pas par là. Mais où sont-ils? Ah, mais ils sont. Ok. Il y a 2-3 plaques sauvages quand même, donc c'est pas mal, mais... Vas-y, hein, moi je vais tenter de récupérer leur kill. Hein. Il a quel endroit ce chien? Oh putain mais merde, faut que j'arrête avec mes grenades. Et merde. Nul à chier la feuf, c'est nul à chier, allez c'est reparti. Allez, on va aller chercher les placasses. C'est les points les gars, c'est les points, on oublie pas, on oublie. Oh putain. C'est de blague. C'est de roquette qui m'a frôlé carrément. Ah bah y'en a un mais il est trop loin pour que je puisse faire quelque chose avec ma sombre petite mitraillette. Alors ils étaient là. Mais ils ont bougé les man. Le spawn a totalement tourné. Excusez-moi. Je cherche des membres de l'équipe ennemie. Bombardement allié déployé. Attends, ça c'est voilà. Moi je m'en branle, je chope les points les gars, si vraiment vous les voulez pas.
Ah, y'a un gonze là? Putain, vas-y, on va aller récupérer la plaque. Alors c'est pas une partie palpitante ça, on va pas se mentir. Mais bon, ça fait monter l'arme, ceci dit. Donc je vais pas non plus me plaindre. Salut toi. Vol de reconnaissance déployé. Laisse un code chiffré. D'accord, d'accord. C'est en fait, il n'y a plus personne dans la partie. Ah bah non, ok, ils sont que 3 et nous on est 4, tu m'étonnes. On passe notre temps à se courir autour, quoi. C'est bien aussi. Waouh! Ah oui, d'accord, et eux ils campent. Bah ouais. D'accord, d'accord. Encore une élimination confirmée, beau boulot, soldat. Merci, merci. Crac. Je veux la plaque, je veux la plaque. Je veux confirmer les éliminations. Bon, il m'en faut un pour avoir le mortier là. Faut pas que j'aille là, c'est un truc à snipe. Allez, un seul quoi. Je lance une grenade paralysante. C'est pas... Un gonze, c'est pas la mort quand même. Il reste une minute. Putain mais y a les man. Y a plus personne quoi. Ah si. Pourquoi il me tire dessus? Il est pas un con. Ok, bah j'aurais fait 9-8. C'était pas la partie la plus palpitante quoi, par contre j'ai confirmé 15 éliminations. Bien sûr, mais du normal, cette élimination refusée. Bon voilà, il y a carrément que moi qui vote à la fin. Tout va bien dans cette partie, les gars. Je vais aller voir directement comme ça, tac.
Voyons voir. Plus 4 vitesse et portée des balles, plus 1 dégâts, plus 1 pénétration des balles, plus. Mais ça nique la précision quoi. C'est pas grave, on va le mettre quand même. Hautement précis et contrôlable. Voilà, on va mettre ça. Lunettes, toujours pas. Voilà, c'était les trucs nouveaux. On va voir comme ça. On va voir comme ça. Parce que notre petit moissonneur va être plus efficace. Déjà 45 balles, ça fait bien moins de rechargement. C'est un mêlée général. Bon, mais très bien. Considérez toutes les cibles comme hostiles. Bah évidemment. J'espère que vous êtes préparés. J'ai l'impression que ça va un peu moins vite. C'est ce qui a été dit dans tous les cas, hein, puisque c'est bien moins marqué cadence de tir moins, mais cependant ouais ça a l'air bien plus précis. Hein. Il y en a un qui va shooter à travers la porte carrément. Gavé loin derrière. Mais merde. Peuvent-ils apprendre à viser quand même? Voilà. La mêlée générale. Waouh, j'arrive même pas à le lire. La mêlée générale, c'est vraiment un truc de baiser. Baiser José, je dirais même. Waouh, sale bâtard. De baiser et de campeur, bien évidemment. On va pas se mentir. Regardez-le, lui. Bien flexible sur les appuis. Voilà. La pire grenade du monde et pourtant elle est passée quoi. Je lance une grenade paralysante. T'en as derrière les portes, derrière les fenêtres. Attention! Merde. Grenade paralysante envoyée. Je me sens pas génial. Ok, donc il y en a un qui s'est caché juste à l'... Non. Ah, Nécros, hein. Nécros, tu vois, moi ce que j'aime avec toi, c'est que t'es jamais dans la ponctualité, quoi. Cette fois-ci, au lieu d'être en retard, t'es en avance. Merci beaucoup, Nécros. C'est vraiment un pré-anniversaire super. Est-ce que tu peux me chanter joyeux pré-anniversaire, s'il te plaît? Eh, nique ta mère, toi, regarde-le là! Ouais, c'est le 23 des Crozes!
Le jour de la Saint-Barnard. Et aujourd'hui... Oh, attends, merde, par contre, aujourd'hui, on est le jour de la Saint-Vincent. Il faut que j'envoie un message... On salue tous les Vincent, bien... Vincent. Et il faut que j'envoie un message à mes deux amis qui s'appellent Vincent, bien évidemment, parce que moi, je connais trop de monde. Comment ça va, ma petite nécrose de l'avance? Après, ceci dit, dans le jeu Pokémon Greenwind, tu es quand même une voyante, tu vois, donc je pense que tu... Je pense que t'es dans le thème, quoi. Une double pute du coup. Mais quoi? Viens ici toi. Eh bien non, c'est le 23. Et Molotox c'est le 25 si je ne suis pas un ami indigne. Mais je crois que la dernière fois on t'avait un peu perdu parce que moi je t'avais lâché un 22 pour Molotox parce que j'étais pas sûr. C'est pour ça on t'avait un peu... Mais c'est demain, en ce lundi saint bien évidemment, le divin enfant est né, ce chien de merde. Le Santa Calotte de tes os que j'ai tué. Bonjour hein. Ah merde, bonjour, bonjour. Bonjour. Je viens pour le stash. Hein. Bonjour. Vas-y mais je vois que des pas enculé, je suis C'est Sentier Simulator. Toi aussi, pars à la recherche de traces. Me faut le rêve parti. 22. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Bah, c'est pareil, Samy, Sunny. Tu vois, c'est vraiment. L'un ne va pas sans l'autre. Conditionnement mental, comme tu dis. La bonne nécrose. Mais merde, il y en a chier. Alors je t'explique Nécrose, en fait je fais monter un nouveau perso parce que ça m'amuse d'essayer de faire monter des trucs. Du coup je fais monter un nouveau perso et donc j'ai pris son arme fétiche avec laquelle je suis une grosse merde. Et avec laquelle aussi... Non mais je l'avais vu. Et avec laquelle aussi bien évidemment je n'ai aucun équipement puisque je m'en suis jamais servi. Donc là il faut que j'attende de la monter au niveau 18 pour avoir le viseur que j'aime bien. Ça devrait pas trop tarder et on fait quand même des scores tels 15-17 ce qui reste honnête bien évidemment. Bah c'est pas non plus la folie foule furieuse ou quoi tu vois. Je viens de voir je viens de voir tes messages, je comprends mieux du coup la double pute. Allez le niveau 18 s'il te plaît. Vends-nous du rêve, on va pas regarder pour garder la surprise bien évidemment comme toujours. Attirail, on va sortir le gros attirail dans l'armurerie. Oui. Putain, je suis niveau combien là 16. Il manque 2 niveaux et j'ai mon déflecture. Cependant, j'ai une nouvelle poignée. Poignée en caoutchouc. Plus un précision, plus un contrôle du recul. Non, la précision. Les balles perforantes, on a eu des nouvelles, non, c'est les balles chemisées toujours, on sent plus de pénétration, plus de dégâts véhicules. Je ne sais pas. Un nouveau composite, contrôle du recul, précision, portée des dégâts. Ouais, stabilisateur effet direct. Oh merde, je lui ai pas mis le... J'ai pas mis le camouflage du seigneur, bien évidemment. Mon petit camouflage léopard rose. Waouh, ok, donc là ça va tirer dans tous les sens, Nécrose. Là tu vois un homme joyeux devant toi qui commence cette partie. Surtout ne t'inquiète pas s'il se transforme en quelqu'un qui est le monde et les gens. Plus. Je jette une grenade. Répétez. Waouh. Ah oui d'accord, ils sont tous arrivés par derrière. Ils ont pénétré notre zone de confort, sale bâtard qui vient d'Mbappé. Bonjour. Ouais, moi je faisais que passer les gars, je voulais juste prendre le point stratégique. Attends, y'a quelqu'un qui est mort là.
insiste, tu as tant de choses à dire, mais le tout reste enfermé. Et oui, si vous vous demandez, c'était bien Doudou Cœur de Pirate. Craca! Excuse-moi, je peux me cacher derrière ton bouclier, il a l'air super sympa. Qui sont des smoky? À la machine de mort! La machine de mort de tous ces morts! Ah, le sang de la machine de mort, putain! Oh, je crois que j'ai encore lancé ma grenade sur moi-même. Ah, la calotte de la grenade, tu vas voir. Que je suis dans la zone, que je te le dis. Que je te le dis que j'ai pas peur! Ok, j'ai eu un peu peur quand même, j'avoue, mais faut marquer des points, man, tu vois, on est là pour gagner la guerre, quoi, remporter, faire des parties qualitatives, bien évidemment, toujours, ça c'est l'objectif numéro 1 de cette chaîne, et remporter la guerre, bah, c'est à toi. Tu es arrivé super tôt. Ah bah ouais, c'est personne. Je me fais éclater sur Call of Duty dans le plus grand des respects, bien évidemment. Je suis extrêmement mauvais, on va pas se mentir. Ceci dit, je gagne des parties, donc c'est... Point stratégique confirmé. Ennemi à Ah, même que des fois, moi j'arrive à tuer des gens. Ça arrive pas tout le temps. Comment faire pour les alertes? Mais en fait Necroz, il faudrait que tu défollow et que tu refollow, mais je crois que c'est même pas possible au final. Et du coup, vu que tu m'as dit que tu étais que tu n'avais plus de bits, on ne pourra certainement jamais savoir. Faudrait qu'on trouve quelqu'un de lambda pour tenter un follow, parce qu'en fait si j'ai mis les alertes Streamlabs comme toi, si je ne m'abuse, sa mère. Mais merde, y'a le mortier là, je suis abruti. Plus de balles, plus de balles, plus de balles. Bah t'inquiète, je pense que ça a marché quand même, tu vois, mais je suis pas persuadé, mais je pense que ça a marché, ouais. Quoi qu'il arrive, je verrai ça au prochain Followers. Mais je suis complètement on fire là. Waouh! Ça fait super peur, j'avais une tata derrière moi. Ouais, là j'avoue, c'est pas mal. Et ils ont mis 12 points carrément, les pauvres. Merde. Wow, mais attends, mais... police. Ils sont passés à côté de moi, carrément. Putain de merde. Et merde, putain, rechargement de tes os. Wow, il m'a sauté dessus lui carrément. Quel dommage.
Ah merde putain, c'est un ennemi là. Bon bah là au moins je vais avoir le viseur, ça c'est sûr. On va pas se faire remonter maintenant à 196 quoi. Et merde. Ok, très bien. Une petite 38 élimination, c'est plutôt honnête. Une belle petite partie. Ok, c'est reparti. On n'est pas du tout dans le top 3, bien évidemment. On y croit. Oh putain, mais il y a aussi Bubble qui traîne dans le coin. Bubble qui lurque, comme on dit, bien évidemment. Allez, le niveau 18, s'il te plaît. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait changer quand même pas mal de choses. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on voit de la précision. Eh bien, la bonne journée à toi, Necroz. Merci d'être passé une fois de plus. Vitesse accélérée, je m'en bats les couilles. Ardoise, ok. Mais peut-être à toutes, Necroz, je vais sûrement me retaper un live Iron Life si jamais tu veux repasser, bien évidemment. Poignée en cuir, vitesse accélérée, je m'en bats les couilles. Poignée ferme. Ah ouais, j'aurais peut-être dû prendre ça pour la précision. Ok, on va enfin pouvoir tester ce nouveau viseur du coup. Tac, on a dit moissonneur. Normalement ça devrait changer quand même. Oh putain de merde. Et merde. Il avait pas l'air très bon lui en plus. On va pas se mentir, lui mentir. Mais je croise personne. Je suis là dans le plus grand des calmitos. Aïe. Ça fait mal ça les gars. Vous vous rendez compte un peu? Ils laissent des mines aux entrées de portée tous ces bâtards. Qui? Regarde-les ces vieux campeurs en mousse là. On va leur enlever leur barrière, comme ça y'a plus personne qui va camper. Je te le dis. Alors du coup, depuis que j'ai mon viseur, j'en ai pas tué un seul, hein, on va pas se mentir. Voilà. On a remédié à ça.
casser tous les trucs où ils peuvent se cacher, les campouses, comme ça au moins. Merde! Enfin, objectif anti-campouse. Bonjour. Je suis nul à chier. Allez, allez. Une grenade paralysante. Ok, ma grenade paralysante aura servi à quelque chose, pas ma grenade normale. Pas le choix, il va falloir débloquer passer niveau 70 quoi. Je jette une grenade. Ah oui, genre lui il était là derrière la bibliothèque quoi. En vrai c'est vraiment horrible les campeurs en mêlée générale. Je lance une grenade. Merde. Qualité, c'est magnifique. Premier, il est qu'à 2 kills de la victoire. C'est lui en plus. Et... Wow, wow, wow. Ah ouais, putain, il a été hyper rapide sans cul. Bien wesh man. 14-10, ça va, c'est honnête. Ok, encore 22 minutes pour le jeton. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non. Ok. Vitesse accélérée, cadence de tir, je m'en branle. Contrôle du recul, précision, ok. Ok, très bien. Je vais mettre un petit porte-bonheur.
Et on est bien. Voilà, ça c'est de l'arme de qualité. Match à voir par équipe, très bien. Heureusement qu'il était nul à chier, lui. Il avait un snipe, j'ai paniqué. Enfin, lui, il a un camouflage de qualité sur son arme, putain, c'est beau. De m'infiltrer par cette porte là. Voilà. Comme ça là normalement j'arrive de leur côté. Si je ne m'abuse. Merde. Ouais. Eh, j'ai mon mortier? Voilà, très bien. Voilà, comme ça au moins personne passe par là. Alors là j'ai paniqué, il y en a eu deux, j'en ai pas touché un. Post-mortem vite, ok. Et merde. J'ai récupéré le code chiffré. C'est pas grave, j'ai eu mon post-mortem, ouais. Ok, donc là il y avait un pote. Et Necrose qui passe au niveau 47. Notre ami du stream préféré, bien évidemment. Sors de là, toi. Hop. J'ai pas réussi à envoyer ça, ben non, évidemment. Attention, ça va bombarder. Voilà. Oh putain. Bah oui. J'ai vu la lumière trop tard. Ce snipe de ses morts, non? Ok.
Mais ça veut dire qu'ils arrivent de par là quand même, non? Alors par contre je sais pas de quel côté sont mes copains et de quel côté sont les autres, ça c'est assez ennuyeux dirais-je. Et merde. Ça aurait été magnifique si ça avait marché, mais c'était impossible. Bien joué, c'est bien joué. Hein. Là, tu vas pas avancer trop non plus. Hop. Et voilà, un petit 27-10, deuxième de l'équipe. C'est beau. Et donc ça c'était l'action de la partie du coup, ok, super. Ok, on a ce bon vieux Francis, on va pouvoir voter pour Francis. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ok, encore 13 minutes, ça fait quoi? Une partie ça? Une ou deux parties, ça dépend. Ok. Qu'est-ce qu'on a eu? Suppression du son, plus 1 de précision. Non. Allongé, plus 3 de vitesse des balles. Eh! Ça enlève un peu de puissance de feu, mais. Non. Et ça non plus, ok très bien, que de la merde. Ok. J'essaie d'arriver chez eux, mais c'est pas facile. Hein. Là, je suis chez eux. Ok, ce chien. Okay.
j'ai aucune fenêtre de tir sur personne. Ok, bah je vais bouger. Ma foi. Quel dommage. Éclaté, j'ai aucune idée de par qui. Par lui sûrement. Lui c'est un bâtard, il se met hyper bien. Donc en fait il faut que je retente de faire un tour sans me faire cramer hein. Pas le choix hein. Là normalement je suis pas trop mal. Faut juste pas qu'il me crame quoi. On a pris la tête. Pose un code chiffré. En même temps il y en a deux qui savent que je suis là. Il était sur le tank lui ce bâtard ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Aïe, bah oui. Golgot 45. Juste là, lui, non? Aïe. Bon, là, c'est pas glorieux tout ça. Aïe, ouais, bah oui. Là on est bien moins on fire que tout à l'heure, on va pas se mentir. Hein. Il y en a pas loin de là, là. La Golgot 45 il m'en veut. Ok.
planante ennemie en approche. Poursuivez vraiment. Bah oui. D'accord. Je balance une grenade paralysante. Jeu de merde. Voilà. Ça commence à s'insulter de campeur dans le chat. Nous attendent tous en ligne et nous on arrive comme des jeunes lapins. Ce qu'il faudrait qu'on arrête d'être de jeunes lapins quoi. Là c'est leur baraque donc il faut que je fasse bien gaffe. Là ils peuvent camper partout carrément. Voilà exactement. Tous là. C'est pas grave, j'en ai eu un pour la fin. De dire que je participe aussi. Ok, 13-19, nul à chier. Combien de temps il me reste pour l'amélioration d'armes là? Savoir si je refais une partie ou si c'est la fin de cette session. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Égalité toujours. Ah merde. Ouais, 1 minute 52 ça sert à rien. Oh allez, prestige 7. Allez. C'est beau ça. Comment je vois ça déjà, je sais plus. Non. Caserne. Phase saison, prestige 6, mais pourquoi ça me disait prestige 7 alors?
Hein, peut-être niveau 7 avec lui. Exactement ça. Ok. Très bien. Bon bah très bien. Petite fin de session au Calmito.